Salut à tous, c'est Jam et Misa. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue pour notre part en fait. Ah ouais, tellement. Vous, vous avez déjà dû en voir plein sur YouTube, même nous on en a vu plein sur YouTube. Et on va aller... Avengers Campus. Donc nous sommes le lundi 18 juillet, on a accès avant parce que passe annuel, Infinity et Magic Plus. Donc là, on a pu avoir nos places en avance. Je vous rappelle que le Land ouvre mercredi 20 juillet et on vous amène avec nous. J'ai si hâte, mais purée, mais j'ai si hâte. Donc c'est parti. Allez, go. Voilà, tes premières impressions ? Il fallait réserver le... Le Hero Training Center. Donc c'est là où se trouve l'attraction de Spider-Man qu'on va bien évidemment vous filmer et qu'on va tout vous montrer. Mais c'est si beau, regardez-moi ça comme c'est beau. Il est super beau le bâtiment de Spider-Man. Et c'est là-haut des fois où il y a des bagarres des Avengers. J'espère qu'on en verra une dans la journée. Là on a le PIM, le restaurant le PIM Kitchen. Bon, on n'y aura pas accès aujourd'hui, j'ai pas eu de réservation. Mais vous verrez le Stark Factory. Elle t'a dit salut Laura. Ouais, elle me fait salut. Maintenant direction l'attraction Flight Force. 5 minutes. Balance la sauce dans les répulseurs. Propulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis pas, c'est à moi ou à eux de vous parler? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission,
piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Danvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas droit à l'erreur. Tout le monde a compris le plan ? Alors ne traînez pas. En avant ! Allez, sauvez le monde ! C'est mon dieu, le Space Mountain à comparer, il est tout mignon. C'est déjà dès le démarrage, ça paraît une vitesse, mais de malade. Il y a un looping direct, c'est direct looping. Mais de toute façon, rien t'as dit. C'est connu dans l'attraction. Et oui, ils ont gardé la même configuration que Rock'n'Roller. Et moi, j'avais jamais fait, donc voilà, donc on a découvert. Mais sincèrement, il est hard déjà. Hein. Il est super hard et ça tape pas mal. Sincèrement, même si vous êtes bien attaché, moi j'ai pris tout là, au niveau de là, tout là. Et au niveau de la tête, même si on a beau se plaquer, ça bouge. Enfin, les rails bougent vachement, ça va tellement vite. Il y a un retourne, il y a une inversion qui fait très très mal. Sincèrement, j'étais là. Aïe! Enfin, ouais, il est brusque. Et toi, t'en as pensé quoi? Le lancement est trop bien. Vraiment, le lancement est incroyable. En plus, direct le pic, j'étais là. Ok, je vais très bien. Je m'excuse auprès du Space Mountain pour avoir dit qu'il était vide à l'intérieur. Parce que là, clairement, là c'est vide. Ah ouais, là, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a beaucoup de en fait, noir. Je pense qu'il doit y avoir des enceintes dans les fauteuils parce que le son, ouais. Aucune variation de son. Oui. Donc, il doit y avoir des enceintes dans l'appui-tête. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a très peu d'écran. Donc, on voit Iron Man et Captain Marvel passer dans l'espace et tout. Ouais. En vous disant, oui, on doit détruire ça. Il n'y a rien, on voit rien. Ouais, c'est pas ce qu'il doit détruire. Oui, le décor, c'est et de la merde. Les missiles qu'ils sont censés détruire, on les voit pas. À part la file d'attente, l'attraction est super belle. Avec le Iron Man, il est trop, trop beau. Genre vraiment, donc la file d'attente, elle est super belle. Mais à l'intérieur de l'attraction, oui, c'est vrai que il y a beaucoup de noir, en fait. On est beaucoup de fois dans le noir. Et c'est pas immersif, en fait. Des fois où il y a un peu de lumière qui permet de percevoir des trucs, vous percevez en fait les rails. Les rails et tout ce qui tient les rails, les piliers de protection, tout ça. Ouais. Et c'est moche. Voilà, c'est moche, quoi. Oui, que dans Space Mountain, on voit moins. Il y a plus d'immersion dans Space Mountain. On voit moins dans Space Mountain tout ce qui est les rails, structure en fait, oui, du manège en soi. Alors que là, on voit vraiment les structures et tout. Et même des fois, on se demande limite où est-ce qu'on passe, parce que vraiment, c'est un bordel métallique, le truc à l'intérieur, c'est waouh. Voilà, donc ça, c'était notre avis sur Flight Force. Après, à vous de nous dire dans les commentaires si quand vous allez le faire, qu'est-ce que vous en pensez, vous. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et Star Trek. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speedboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moi, mon pitié. Chérie, prépare le véhicule Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez, tous vers les Slingers et on fera équipe pour empêcher les Speederboats de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Ok, we have a plan. Là c'est parti, on va tester la nouvelle attraction Spider-Man. Donc là on est dans la file d'attente comme vous avez vu depuis tout à l'heure. Et la file d'attente est vraiment super belle, donc pour l'instant ça c'est cool. Et je continue à vous emmener avec nous. On a le casier de Peter Parker. Ils sont super beaux les casiers. Ouais, trop de rêves. Mais oui, mais il y a des rêves absolument partout. Dans la marche, utilisez toutes les places disponibles dans le groupe. Asseyez-vous et mettez ces lunettes de CDI Web Vision. Nous avons des speederboats Antoine. Voilà l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais là on a installé dans l'intérieur de Spider-Man. Il donne ça. Et on a installé dedans et il faut tirer sur les speederboats.
Surtout, restez assis à votre place jusqu'à ce que nous soyons revenus en gare. Et dès qu'on sort de l'attraction, on atterrit donc dans la boutique principale du Land. Donc il y a une deuxième petite boutique à l'entrée, mais elle est vraiment toute petite. Donc là, c'est vraiment la boutique principale du Land. Giga mal au bras, mais ah ouais, par contre, ouais, ça fait. En fait, on doit faire comme ça avec les mains pour tirer sur les spider-bots. Ouais, c'est comme ça. Et ah ouais, ça fait vachement travailler les bras. Et en fait, il y a une compétition. Chaque wagon est en compétition. Déjà dans le wagon, on est en compétition entre nous. Et après, tous les wagons sont en compétition entre eux. Donc c'est énorme et c'est super bien fait la 3D. Et franchement, l'attraction elle est vraiment super bien. Genre vraiment, faut la faire. On va juste parler du mal des transports parce que vous avez des lunettes, c'est un petit peu. Vous êtes dans un véhicule un peu comme Ratatouille, un petit peu, mais rien à voir. Vous avez absolument zéro mal de transport. Ah oui, parce que moi qui aime pas du transport, ça m'a rien fait du tout. On peut y aller à 100%, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, tu peux y aller, tu peux foncer, il n'y a aucun souci. Et non, cette attraction elle est vraiment, vraiment très bien. Et ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller. Vous avez une espèce de mini-film avant en fait, où vous avez Peter Parker qui vous explique un petit peu les Spider-Bots, comment ils sont créés. Le fait qu'ils peuvent se dupliquer et en fait pendant qu'ils continuent à vous parler des Spider-Bots, vous voyez qu'ils commencent à se dupliquer de façon exponentielle sans se contrôler, de bouffer l'arrière-plan et de se barrer en fait dans le campus en fait. C'est trop bien. Et l'objectif de la mission justement c'est de les arrêter dans le campus. Ouais. Voilà. Trop bien. Voilà. Je n'ai pas le temps. Rattrape, Spider. Je crois qu'elle n'a pas raccroché. Salut, Nat. Tout va bien? T'as besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. C'est ce que je pensais. J'envoie du renfort. Intruders, stand down. I won't ask a second time. Monsieur Stark m'a dit, ne quitte pas des yeux ce vibranium. Et le voici. C'était tellement facile. Allez, à plus. Donc là, direction le Training Center, donc je vous rappelle, prenez bien un rendez-vous si vous voulez y aller. Et nous, on a fait des photos avec Spider-Man, elles seront disponibles sur notre Instagram, Jav et Missa. Et maintenant, direction le Stark Factory pour manger.
débrief du Star Factory. T'en as pensé quoi? Miam miam. Ouais, c'était bon, hein, les épisodes sont vraiment super bonnes. Star Factory. Genre vraiment, et puis je m'attendais pas à que les parts soient aussi grosses. Et en fait, elles sont hyper grosses, les parts, c'est un truc de fou. Et par contre, le dessert qui était censé être caramel. L'entremets caramel. Ouais, à de Thor, là, le dessert de Thor. Bah, en fait, on s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, c'est, bah, ça a une texture surprenante. Et ouais, le goût est pas. C'est bizarre en fait. C'est super bizarre. Mais sinon, le Star Factory, c'est un grand, grand oui. Hein. Sincèrement, c'était super c'est bien. C'est vraiment dans l'esprit self, vous savez, cafette, industrie en fait. Vous arrivez, vous glissez vos plats, bah, comme à la cafette ouais, en fait. Ouais. Comme dans les cafétérias, et vous mangez bah, de façon voilà, comme si vous étiez dans un self d'une industrie en fait. Non, mais c'est vraiment super. Des grandes tables, vous asseyez tous et ça fait vraiment voilà, le repas du personnel en fait. Ouais, c'est ça. Bah, l'usine de Monsieur Star, quoi. C'est ça. Non, mais c'est super bien fait, c'est vraiment bien représenté. Et puis c'est bon en fait, surtout, c'est bon. Par contre. Ouais, bon, ça, bah, comme dans tous les restaurants de Disney. Hein, la part de pizza 14€. Ouais. Mais bon. Vous n'avez pas de pizza salade, c'est basique, et au moins vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites votre petit menu et puis vous passez en caisse. Ouais, il n'y a pas de pizza et salade, c'est ça. Voilà pour le débrief. Spider-Man il nous montre, il nous dit ah, je vais vous former au combat, tout et tout, c'est juste génial dans le training center si vous avez l'occasion. Donc ça il faut prendre un rendez-vous absolument, c'est sur réservation, c'est obligatoire et c'est sur l'application de Disneyland Paris. Sinon à l'entrée du training center vous avez une borne avec un QR code en fait, oui, où pour, est-ce que vous voilà. Pouvez réserver votre créneau et pour le nombre de personnes que vous êtes, et ça vous met un compte à rebours virtuel avec votre passage en fait. Voilà. C'est que nous on a vu qu'on avait 89 minutes, au moment où on a mis deux, donc on savait qu'on pouvait faire ce qu'on avait, voilà, et on avait le compte à rebours en temps réel. Et à moins de 10 minutes en fait vous venez faire la queue, vous lui montrez qu'il vous reste 10 minutes et là il vous faut rentrer et vous attendez du coup qu'on vous appelle. Vous avez un numéro en fait quand vous faites votre réservation et c'est ce numéro qui correspond à votre passage. Voilà, bon bah sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous et à très bientôt.